I've been as cold as a bucket of ice. I've been trapped like curious mice, and I've been looking for a way out into the sparkling light. I've been a lost balloon in the blue, and like Tom, free falling without. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous embarque avec moi pour la journée. Donc j'ai plein de choses à faire, notamment vider les placards de la cuisine puisque j'ai déjà commencé à préparer les valises, tout ça tout ça. Rangement, ménage à faire ce matin parce que là ça ne va plus, hein, c'est le désordre absolu ici. J'ai des linges à faire, j'ai de la paperasse administrative, je dois aller chez Action parce que j'ai 2-3 petites choses à l'acheter. Bref, je vous embarque avec moi pour cette journée à 100 à l'heure. Comme d'hab. On va commencer par faire le lit. Il faut que je mette la housse de couette parce que Dylan l'autre jour avec il a étalé toute une compote de fraises sur ma housse. Je vous raconte pas les dégâts. On a le matelas de Liam qui est juste là. Dylan il a dormi avec nous cette nuit. En ce moment c'est un peu c'est le camping. C'est un petit peu à l'arrache. Les enfants veulent toujours dormir avec nous. C'est un petit peu couché. Je sais pas si c'est parce que leur chambre est vide. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas Dylan la nuit en fait comme maintenant il va plus dans son lit. Alors il débarque à côté de moi, il me met ses petites mains comme ça au milieu de la nuit, genre pour que je le prenne. Donc que voulez-vous, il se met au milieu de nous, bah voilà, le temps qu'il faut, ce sera comme ça. Je peux pas, moi je peux pas genre dire non, retourne dans ton lit, ou aller avec lui dans le lit, je suis trop fatiguée, du coup je préfère le prendre et le mettre avec moi dans le lit plutôt que de me lever et de moi aller dans la chambre ou quoi. Et moi je me dis que, c'est vrai que je suis pas hyper stricte de ce côté-là, dans le sens s'il vient, bah il vient. Voilà, je vais pas le remballer, pas du tout, parce qu'en fait je me dis que à l'adolescence, tout ce qu'il aura envie c'est de ne pas dormir à la maison, d'aller dormir chez ses copains, vous voyez? Du coup je me dis ça dure qu'un certain temps, il va pas toujours avoir envie de dormir avec nous quoi. Je sais pas si vous pensez pareil, dites-moi si vos enfants font comme les miens, venir nous rejoindre au milieu de la nuit dans notre lit. Mais j'ai l'impression, parce que sur Instagram on en avait discuté avec certaines, et qu'il y en a beaucoup dans cette situation là en ce moment. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, trêve de blabla, on va commencer par attaquer le rangement express, le ménage express. La chambre des garçons qui ne ressemble plus à une chambre. Là on a le matelas à nu parce que j'ai déhoussé. Donc je vais mettre la housse maintenant. En fait Fadi a essayé de la mettre hier soir. Il m'a dit qu'il avait déchiré un petit peu. Du coup je vais voir si j'arrive à la mettre. Je l'espère hein, parce que sinon on perd un matelas si j'arrive pas à remettre cette housse là. Et on en a quand même besoin. Et le petit lit de bébé qu'on n'utilise plus, je le garde juste pour mettre des affaires dedans. Je vous avoue que ça me permet de mettre des affaires dedans et pas que ces affaires là traînent par terre, vous voyez. Donc là go mettre les housses, ranger, la chambre est en train d'aérer. Ce que j'aime bien faire tous les jours c'est lancer l'aspirateur robot, comme ça il passe la serpillière. Le matelas je le mets juste le soir par terre, mais dès que c'est le matin, je relève tout, je mets tout contre le mur. Et comme ça, je peux lancer l'aspirateur robot pour qu'il aspire et qu'il passe un petit coup de serpillière. Et après, c'est bien propre. But every
C'est vraiment pas joli une chambre vide, hein. Ça donne pas du tout bien en vidéo, c'est vraiment moche. Désolée pour ça. Désolée pour ce que dégage mon appartement en ce moment, c'est-à-dire le grand vide. J'espère que ça résonne pas trop non plus. Là maintenant ce que je vais faire c'est lancer l'aspirateur robot qui me nettoie tout ce sol. J'ai enlevé les valises qui étaient dans le coin parce qu'il y a plein de poussière du coup en dessous. J'ai tout mis dans l'autre coin, comme ça nettoie tout, ça passera en dessous du lit, tout ça, tout ça. C'est parti, et je vais faire pareil pour la chambre. En fait ce que je fais c'est que je lance d'abord côté nuit, les deux chambres, le hall de nuit et la salle de bain tout d'un coup, et après je passe de l'autre côté. Alors, en général le salon tout ça je le lance quand je suis pas à la maison, parce que ça prend un peu plus de temps avec le tapis du salon, tout ça tout ça. Je profite aussi de ce petit rangement et ménage matinal pour plier les vêtements propres qui traînaient dans le panier à linge. En ce moment, je fais des machines un petit peu tous les jours. Enfin, pas qu'en ce moment, en fait. Habituellement, je fais des machines tous les jours. Mais oui, c'est vrai que non, encore plus maintenant parce que les enfants se salissent encore plus, il fait meilleur, ils transpirent. Fadi aussi, comme il va à son sport tous les jours, vous voyez, du coup, ça tourne tous les jours la machine. Donc là, je plie vite fait le tout. Là, c'est pas beaucoup, hein, c'est surtout la machine avec des serviettes et tout ça, avec quelques vêtements, mais pas grand chose. Le plus lourd arrive, mais pas dans cette vidéo, parce que j'ai pas plié en finement, parce que j'ai pas plié ce jour-là, tout simplement. J'en profite aussi pour faire un petit rangement dans l'armoire, comme on se partage ce dressing à nous quatre. Il faut quand même y mettre de l'ordre régulièrement, sinon ça part vite en cacahuète. Et notamment Liam, parce qu'il... Maintenant, il prend souvent ses vêtements lui-même seul, et après, il tire, il y a l'autre vêtement en dessous qui se déplie, et il n'a pas beaucoup de place non plus, il n'a qu'un tiroir, du coup, c'est assez restreint, mais bon, c'est juste un certain temps. Après, il aura son petit dressing de l'autre côté. J'en profite aussi pour enlever les vêtements qui traînent par terre dans la salle de bain. J'ai plus mon panier, j'avais un petit panier en osier que je mettais dans la salle de bain, mais je l'ai plus parce que les lanières se sont cassées. Bon, maintenant, je vais passer juste un petit coup là dans la salle de bain. J'ai enlevé les linges sales qui traînaient par terre. J'avais plus assez de paniers à linge et l'autre panier en osier il était tout cassé. Il se cassait du coup, je l'ai enlevé, donc il me reste que deux. Ouais, je pense les deux paniers mauves, c'est tout. J'ai laissé les linges traîner par terre, je déteste ça, mais bon, ça tient, ça reste pas plus longtemps qu'un jour ici. Désolée pour le bruit de fond, c'est l'aspirateur que je viens de lancer. Et là, maintenant, je vais faire un petit refresh de la salle de bain. C'est un petit truc, c'est un petit ménage que je fais en fait tous les jours de la salle de bain, la toilette et le lavabo. Une fois par semaine, c'est vraiment la baignoire et la douche. Mais tous les jours, c'est ce petit nettoyage-là. Avec des garçons, c'est indispensable de nettoyer les lits, la lunette, tout ça. D'ailleurs, on a mis un papier ici. Avec Fadi pour Liam, pour qu'il ait le réflexe de lever la lunette. Je sais pas si vous, vos garçons, c'est comme ça, mais nous, on a beau lui dire 50 000 fois, lève la lunette, il ne le fait pas. Du coup, là, on a mis, il faut lever la lunette, lunette, lunette. Voilà. Realize we were different types, carrying a
different triggers scaring us to death. Oh, someday we will collide someplace where we can hide our space. Forget the world outside just for a while. Some way we will be fine. Safe place, just you and I, always. I will wait for us to collide. Là maintenant je vais t'expliquer un petit peu ce qui va se passer les prochaines semaines. Je me suis posée sur l'ordi parce que j'ai des prises de rendez-vous à programmer, médecin, tout ça, il y a pas mal de choses que je dois faire en fait les prochaines semaines. On a les travaux qui vont démarrer ici à l'appartement, donc je vous expliquerai vraiment le détail des travaux qu'on va faire, travaux de rafraîchissement, dans la vidéo qui sortira dimanche prochain. Ça va être une vidéo spéciale où on vide tout l'appartement, on fait les valises. Je vous fais un débrief des travaux, je vous montre un peu, on fera l'appartement de tour vraiment vide. On ira aussi acheter tout ce qui est électro ensemble. Enfin bref, ça va être une vidéo blabla et en même temps, on bougera ensemble. Voilà, le petit programme pour les prochaines semaines, c'est vider l'appartement, continuer la paperasse, faire les rendez-vous médicaux, aller chez mes parents. Voilà pourquoi je m'avance. Voilà, il faut savoir que j'ai déjà fait toutes les valises. Hein. Il ne m'en reste plus qu'une, à savoir la valise pour les vêtements. Ça, quand on a encore des vêtements qui sont pendus, tout ça, je la ferai en dernière minute. Mais il me reste seulement une valise et on devra l'acheter aussi, cette valise, parce que je n'en ai plus. J'en ai acheté que deux. L'autre fois, j'avais trouvé que deux grandes valises chez Action. D'ailleurs, elles m'ont l'air superbes, franchement. Donc voilà, là, je continue mes petits rendez-vous médicaux et je vous retrouve juste après. On ira faire un petit tour chez Action. Bon, je vous prends maintenant en voix off parce qu'on n'entendait rien. Je filmais avec mon téléphone et du coup, le micro, c'est vraiment pas top du tout. Donc, j'ai vu que Action avait sorti tout le rayon pour la rentrée scolaire. Ils ont sorti vraiment des agendas que je trouve beaucoup trop mignons. La qualité du papier m'a l'air franchement bien. Notamment celui-ci. Je sais pas si je l'ai ouvert en vidéo. Ouais, non, je pense pas. Mais franchement, il était vraiment très bien dedans. Très simple. Hein. Ce sont déjà des agendas très, très simples. Et il y a aussi toute une série... d'agenda scolaire pour les enfants, les journaux de classe et tout ça, pour les ados, quoi. Je trouvais ça vraiment très sympa. Je suis aussi tombée sur des bloc-notes, enfin des cahiers pour noter des choses avec quand même pas mal de feuilles et c'était ligné. Ensuite, je suis tombée dans le rayon cuisine sur ces couteaux tout roses, tout girly, j'aime beaucoup. Ils étaient à 5,99€. Et ensuite, au rayon ménager, je suis tombée sur ces produits-là de Monsieur Propre. J'adorais l'odeur, c'est un mélange d'agrumes. C'était vraiment une odeur estivale que j'aime beaucoup. Ça apporte vraiment du frais dans son intérieur. J'ai adoré les deux. J'ai pas pris parce que bon, moi, je dois terminer mes produits ménagers maintenant. Voilà, ça sert à rien que j'en achète, parce qu'il m'en reste encore. Autant les vider. Et je suis tombée sur ce produit ici, multi-usage, multi-surface. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, je l'avais jamais vu. Ils sont aussi sortis des sets. Bon, là, il n'y avait plus grand-chose dans le rayon, mais des sets à pique-nique. Tout rose, comme ça, trop mignon. Et aussi des carafes avec les verres directement dedans. Je trouve ça pas mal. Il y avait plusieurs coloris, du bleu, du mauve, du rose également. C'était à 2,49€, il me semble. Bon, mon petit butin de chez Action, il y a encore deux trois trucs qui ne sont plus là. J'ai pas trouvé grand chose, il y avait pas de chouettes. Je vous ai pas montré de beaux arrivages, désolée, mais il y avait pas grand chose ce jour-là. J'ai l'impression qu'il faut aller vraiment des jours précis chez Action. Mais du coup, j'ai pris que ce dont j'avais besoin. Ici, un pèse bagage parce que je ne trouve plus le nôtre. Et que et du coup, j'ai trouvé celui-ci, il était à 2,79€, un truc comme ça. J'ai repris aussi des éponges à vaisselle, j'en ai déjà utilisé une. Rien de fou, hein, rien de glam, des sacs poubelles, voilà. J'ai aussi pris des fards comme ceci pour Liam, parce qu'il en a... En fait, l'autre jour, Dylan lui a déchiré complètement sa farde. Elle était déjà bien abîmée, mais j'ai eu le dos tourné 2 secondes, qu'il l'a prise et qu'il l'a complètement déchirée. Du coup, il fallait absolument que je lui en retrouve. Ça se vend pas à l'unité, ça se vend par paquet. Du coup, j'ai pris ces coloris-ci, je trouve trop mignon. Je l'ai déjà ouverte, mais c'est pas grave, même si ça se vend pas à l'unité, parce que j'en aurais besoin pour trier, bah justement, maintenant, ma paperasse par farde, vraiment. J'ai besoin de trier certains papiers, maintenant, de la paperasse administrative, et comme ça, ça me permettra de bien tout classer. Je vais mettre chaque chose dans une farde. Voilà, j'ai aussi acheté une gourde d'eau pour Liam, qui n'est plus là, une gourde pour Dylan, maintenant, et c'est tout, je crois.
Moi, ouais, c'est tout ce que j'ai acheté chez Action, mais j'ai pas, désolé, je vous ai pas montré de jolies choses parce qu'il n'y avait absolument rien. Là, je suis dans ma chambre. Ce soir, on se fait une petite sortie avec Fadi. On va aller boire un verre, aller au resto. Voilà. Histoire de faire une petite soirée en amoureux. Du coup, là, je suis devant mon dressing qui est à moitié vide, mais c'est de ma faute, hein, vous allez dire. T'avais qu'à pas tout vider, hein. Je n'ai plus grand chose à me mettre. Mes petites tenues de sortie. Il y a 2-3 combis que j'ai mis déjà dans la valise parce que je me suis dit que je n'allais pas les porter jusqu'à mon départ. Du coup, je sais pas trop quoi mettre. Moi, j'aime bien de toute façon sortir même avec un jeans. J'ai plus de talons parce que j'ai tout liquidé. J'ai juste une paire de sandales, mais elle est déjà dans la valise. Je comptais pas la mettre jusqu'à là. J'ai une autre paire de sandales, mais il fait trop froid pour mettre des sandales maintenant. Du coup, j'ai que des baskets ou des boots. Et encore les boots, non, parce que les boots, j'ai déjà rangé dans la valise. Voilà. Est-ce que je mettrais pas un top là, c'est le seul top un petit peu de sortie que j'ai. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un top, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un top comme ça, et on rentre les bras dedans. J'aime bien parce que ça tient bien sous les bras, ça tourne pas. Donc j'ai ça. Je peux mettre ça toujours avec un jean, ça fait décontracté chic, on va dire. Il y a bien un truc que j'ai changé avec l'âge. On va trop me rendre. C'est que... Avant, quand j'étais plus jeune, je suis pas vieille, hein, mais avant, genre, quand on sortait et tout ça, j'essayais toujours de m'apprêter, d'être toujours pimpante et tout ça. Maintenant, bon, j'essaie toujours aussi d'être un petit peu pimpante, hein, je me maquille, j'essaie d'avoir bonne mine, tout ça, d'être fraîche, hein. Mais, genre, avant, je m'en fichais d'être mal à l'aise, tandis que maintenant, si je veux passer une bonne soirée, il faut à tout prix que je sois dans une tenue où je me sens bien. C'est pour ça que les talons... Et tout ça, avant j'en mettais beaucoup, maintenant j'en mets de moins en moins parce que j'aime trop être dans mes baskets. Après, je vous avoue que voilà, j'ai tellement pas acheté ces dernières années de chaussures, des trucs comme ça, que ça me manque d'avoir une belle paire de sandales, même à talons, mais confortable, quoi, vous voyez. Et voilà, donc ça c'était vraiment avant, je m'en fichais d'être confortable ou pas, il fallait juste que ce soit, que je sois dans une jolie tenue. Maintenant, il faut que ce soit et joli et confortable. Tout le jean. Non, je rigole. C'est dire, mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Du coup, j'ai pas grand-chose à mettre. Ouais, vous savez quoi? Je pense que je vais mettre le petit haut noir ici, ça fera l'affaire. Je garde mon jean ou je mets l'autre à trous. Non, on va garder le jean où il n'y a pas de trous quand même. Et puis aussi, les soutiens-gorge, c'est quelque chose. Hein. J'aime pas vraiment les soutiens-gorge avec ça. Mais bon, ici, il fait froid. Du coup, ça se voit. Bref, je vous retrouve quand je serai prête. Voilà, pour finir, comment je termine? Je n'ai vraiment plus rien à me mettre quand je dis que je dois refaire ma garde-robe. Je vous assure que je n'ai plus grand chose. Du coup, j'ai sorti ce petit short en simili avec un petit haut noir. Moi, je suis à l'aise dedans. Un joli sac noir. Et j'ai dû mettre mes baskets. Écoutez, au moins, je suis à l'aise. Je me suis fait... j'ai fait une petite queue de cheval parce que c'est ce qui me va en ce moment. Et ouais, je sais pas si ça m'aura fait mon make-up ni quoi que ce soit. J'aime bien que ce soit léger. J'aime pas être peau de peinture. Je déteste ça. Et voilà, je vais mettre, comme il fait pas non plus méga chaud. Et surtout, s'il pleut, il faut l'écharpe, parce que moi je suis pas team parapluie, j'aime pas les parapluies. Alors avec le vent et tout, souvent le parapluie s'arrache, du coup la petite écharpe. Voilà, tout simplement, ma petite tenue pour ce soir. Let's go! Allez go, maintenant récupérer tout le monde. Alors, en fait j'ai couru parce que il est déjà 4h40 et je vais aller récupérer tout le monde. Et il y a la circulation pour aller jusqu'à la crèche de Dylan, du coup j'espère que ça va pas mettre... Bah hier ça a mis 1h15 avant que j'arrive là-bas. Donc faut que je me dépêche et au pire du pire, c'est que Fadi, de son boulot, il va à pied jusqu'à la crèche. Comme ça, on est sûr d'arriver à temps. Let's go! On se retrouve plus tard au resto! C'est bon, on a trouvé une place. Juste en face. On va manger là-bas. On va aller boire un verre. Les bavettes. Et manger. Voilà la suite. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain à 10h pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous tous très bien. Gros bisous!